Tu as choisi la peur de rien. Pour la gravure, là. Ouais. Les feuilles qui vont passer dessus. Et après les feuilles qui vont repasser dessus. Ouais. C'est pour pas qu'il y a la main. C'est pour bon, gérer. Ouais, je sais. C'est pas mal. Hein. C'est convaincant. Ouais, ouais. Mais là, t'avais beaucoup d'encre là en fait. Sur ton... Ouais, ouais. Ouais. C'est de se fédérer, mais toi tu as Gauthier pour voisin, donc il n'y a pas de problème. Oui, oui. C'est super chouette. Ça. Oui, tu aimerais avoir un vrai. Ouais. Un vrai boulot et tout. Bonjour. Les feuilles à la base, c'est déjà pas grave. Hein. Ah ouais? Il y a les grandes feuilles, c'est déjà pas grave, j'ai une qualité, t'as des bonnes dedans.
Est-ce que vous êtes passé par l'Oculus ou pas? L'Oculus. Il faudrait une caméra par personne pour voir qui plante. Hein, parce que là, ouais, exactement. Faudrait que quelqu'un filme de là-haut, tu sais. Et puis, vu de loin, ça a juste l'air d'une psychothérapie de groupe. C'est une meuf, ça. Mais qu'est-ce que c'est que connerie, Lisa? Je sais pas, c'est ce qu'on m'envoie. Tu m'envoies des points? Franchement, il est très. C'est exactement ce que j'envoie. C'est pas flagrant comme exercice, quand même. Ah non, mais c'est drôle, mais non. Ouais, c'est drôle. Moi, je dis, il faut décider. Ah oui, il faut dessiner. Mais on travaille, nous. Une espèce de dessiné. En fait, j'ai triché. J'étais dessiné un papillon dans le dos. Tu restes tout le temps au même endroit, tu fais plein de vidéos. Mais tu rigoles, je le vois, je le visualise. C'est un peu d'avoir une petite tablette graphique. Moi, c'est un modèle A4. Pédicure, on a eu. C'est pas du tout pédicure. Il faut d'abord essayer avec une personne et puis chaque fois, on rajoute une personne. Moi, je suis d'accord avec Alex. Comme ça, on verra qui c'est qui fait. Voir qui c'est qui foire. Voir qui c'est qui foire. Il y en a un qui est pas bon. La contrainte du truc qu'il fait à trois feuillets longitudinaux. Ouais, c'est assez bien, j'ai ça pas vu le résultat. Hein. Parce que j'ai fait un premier strip, il manque deux participants. Tu peux essayer? Ouais, mais ça me branche assez. Mais peut-être pas tout de suite, quoi, c'est ça le problème.
fais ça parce que c'est facile à faire. Mais... dehors, on a fait on était dans la campagne. Bah, on sait pas trop si ça nous servira, mais autant le faire. Ouais. C'est ces arbres-là que je voulais faire aussi. Et de nuit, ils sont beaux. Avec l'éclairage. Ouais. Bah
La forme du papa, le style du papa. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ça, j'ai rien, donc ça peut prendre le bonhomme. C'est bien, ça va, c'est ça. Il est un petit pour moi. Pas du tout. Ils ont pas dit. Donc, il était très sérieux en contact. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous voulez, moi, j'ai dit. Je vais vous rendre. La mort du monde n'est pas une option. Qu'il se dessèche comme une motte depuis son cœur éteint, avant ou après que le soleil n'ait abandonné toute vie à sa congélation, que nous précipitions ou non cette dissipation par nos actions, ça ne changera rien. La paupière d'Horus se refermera sur toutes les nôtres, dans un vieux demi-jour tremblant. Il n'y aura pas d'oreille pour entendre les craquements, pas Dieu pour en être l'historien. Aucune bouche ne pleurnichera un hymne funèbre à notre système solaire. Aucun chien aux orteils des colosses du forum. Aucune mousse dans la boîte refermée. Dans une danse orbitale stupide, une nuit minérale emporte les galeries du Louvre, les poèmes de Gilgamesh, les oratorios de Bach, les lumières tremblantes et blanches de Stalker. Ne devrions-nous pas, alors, opposer au modèle évolutif technique une opiniâtre mélancolie? La mélancolie ne sauverait-elle pas le temps présent de la dépression à laquelle accule l'obstination à se conjuguer au futur? Une créature dépressive incarne toujours l'échec d'un monde qui se pense dans son progrès. Mais c'est cette pensée du monde qui conduit sans appel à la dépression, quand on n'a pas la chance minuscule de fondre dans le délire maniaque totalisé, c'est-à-dire d'être adéquat à l'évolution. La créature dépressive ne l'est que d'être inadéquate à une forme du monde qui, pourtant, n'a pas d'existence réelle, et d'en souffrir comme une amputée. Elle a tort de mourir, de se sentir mourante dans un hymne d'éternité. Un monde sans fin accule à une tristesse sans fin de n'être que son instrument de passage. Mais s'il est lui-même de passage, alors je suis un monde, moi. Mélancolique, je serai son accompagnateur idéal et fidèle, en adéquation avec lui. Je peins un tableau pour aujourd'hui, je compose un quatuor pour la minute même. Je vous écris tout de suite.